Allez, si je vous en prie, on peut réapplaudir nos membres du jury, s'il vous plaît. Donc c'est le moment fatidique d'annoncer les lauréats de cette nuit du court-métrage 2023. Encore une fois, on se répète, mais ils ont eu très peu de temps pour délibérer. Ça a dû être difficile parce que vraiment, vous avez vu, la qualité des films était réellement au rendez-vous. Donc je vais laisser la parole à Marc Duret. Déjà, remercier tout le monde, ce que dit Pascal, pour le travail. C'est vraiment intéressant. Merci pour ça. Pour le prix du meilleur film international, c'est Tears Come From Above. On peut applaudir, s'il vous plaît, les réalisatrices sont pas avec nous, parce qu'elles sont suisses. Mais certainement, on les applaudit en leur tête. On a pensé que c'était vraiment très bien mené. Donc double prix pour ce film-là. Voilà. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Tu m'as appris à rester digne, même si on était couvert de crasse. Tu te souviens de ce jour où il a plu? On avait levé la tête au ciel. La pluie nous lavait le visage. On avait l'impression qu'on nous rendait un peu de notre humanité. Alors le prix du meilleur film français, un roulement de tambour, tout ça, revient au film Monstre. Bonsoir, merci beaucoup au jury, merci beaucoup de gratifier ce film, surtout en voyant tous les autres films, c'est assez dingue, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de belles comédies, de l'animation, il y a beaucoup de poésie aussi dans certains films, donc on est très très content de vous soyez là pour le film, et puis encore merci à tout le monde, voilà, un peu le stress. Merci à vous, bravo encore. Merci beaucoup, merci d'avoir voté pour le film. C'est un film qui nous a fait grandir, je pense qu'Atia et moi, tout autant. C'est son premier court-métrage. On applaudit vraiment très fort. Ouais, c'est mon premier court-métrage, j'ai pas beaucoup d'expérience en tant que comédien. Je suis encore en train de me former et du coup, grâce à Katia, j'ai pu faire un peu mes premiers pas. Voilà, merci beaucoup et merci aussi pour les personnes en situation de handicap qui peuvent ou qui aiment aussi le cinéma, qui voudraient faire du cinéma en tant que technicien ou acteur. C'est beaucoup pour la communauté puisque ça encourage beaucoup d'entre nous à aller plus loin. Non mais tu peux pas rester là. Je sais que c'est relou d'arriver en retard et d'être derrière, mais tu peux pas passer devant tout le monde comme ça. Voilà, merci. Non mais toi, t'as rien à faire derrière. Vas-y, passe devant. T'es sûr? Bah oui, tu vas rien voir. Attends, elle est sérieuse, elle? Enfin, si ça dérange personne, hein.
Pardon. Mais ça ne s'arrête pas là, car on a aussi des prix coup de cœur. Donc je vais laisser Rita annoncer le prix coup de cœur pour la sélection française. Parce que moi, je l'ai trouvé vraiment magnifique, coup de cœur. J'ai vraiment, moi, personnellement, un coup de cœur pour ce film, et c'est Swan. Nature Attack. C'est le coup de cœur du public parce qu'il faut savoir qu'on était presque à une égalité. C'est-à-dire que ça s'est littéralement joué à une voix. Une seule voix d'écart. Donc on a décidé de créer le coup de cœur du public puisque très clairement c'est un coup de cœur du public. Et je vais laisser du coup JB l'annoncer. Le prix du public, le coup de cœur du public, pardon, est attribué à Jean Bamber. Very sweet? Wow. Okay, great. Fine. Sweet. Merde. I stay with sweet. Il reste encore une dernière recommandation. Il y a un scripted, donc le scripted short film. On le donne à... Pour la section française, du coup. Ouais. Snatchers. Snatchers. Bienvenue dans cette vidéo de formation offerte par le comité de la ville de Collonges. Si vous ne faites pas partie du personnel autorisé, merci d'éteindre votre téléviseur et de remettre cette place aux autorités compétentes. Applaudissez-vous, vous aussi. Merci énormément pour votre soutien, votre présence, votre participation, votre patience. J'espère que vous allez passer une bonne production. Et vraiment, merci encore énormément. À bientôt.